Eh bien, salut tout le monde, c'est Farage et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XIII. Et comme vous avez pu le voir, nous sommes toujours dans le chapitre 12. Je vous rappelle qu'il y a 13 chapitres. On s'était laissé juste après avoir vaincu le commandant Roche et après qu'il soit mort en s'étant sacrifié pour empêcher les CF de rentrer. Et maintenant, écoutez, on n'a plus qu'une seule chose à faire. Continuer notre progression et arriver jusqu'à Eden. Enfin, jusqu'à Eden. Même, je dirais même jusqu'à Orphan, qui donne son énergie à Eden. Entrons dans la tour centrale, c'est parti. Non, c'est pas la peine. J'ai pas besoin de sauvegarder. Nouveaux articles disponibles. Ça veut dire quoi? Qu'on est dans le chapitre 13 maintenant? Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. On va voir. Non, pas les 13 jours. Événement. Tic. Non, on est toujours dans le chapitre 12. Peut-être que quand le chapitre 13 commencera, juste avant le boss final, je vous ferai ce que je vous avais dit, l'épisode spécial où on ira voir un peu les dossiers. Alors, voyons voir. Là, il n'y a pas 36 000 endroits où aller. Alors, on y va. The cavalry. If they made it this far, we'll see him soon enough. Whoa. Not them too. They're all Seath. Le berceau d'Orphan, le trône sacré. Nous devons continuer tout droit pour arriver jusqu'à Orphan. On est vraiment très très proche de la fin. This is it. A lot of dreams died to get us here, and we can't let it be for nothing. You said it. It's not just our future we're fighting for. We'll do it for everyone. Fauci rule ends here. Dysley, we're coming for you. Bien. Alors, le berceau d'Orphan, très bien. Est-ce que par hasard, là derrière, il n'y a pas quelque chose? Alors, je crois que cette zone, c'est la zone où on peut XP le plus. Il me semble que c'est dans cette zone. Non, apparemment, il n'y a rien. Je sais qu'il y a une zone comme ça, ou peut-être c'est la fin, mais de cet endroit. Enfin, en tout cas, il y a une zone pas loin où on pourra... C'est la zone où on peut XP le plus facilement. Bon, allez, on va se faire un petit combat, parce que ça fait longtemps. Enfin, pour vous, ça fait pas longtemps, mais pour moi, ça fait longtemps. Histoire de se remettre en jambes. Et puis on va libérer les âmes de ces pauvres soldats qui n'ont rien demandé et qui ont été changés en CF. Bon, ils sont assez résistants, hein, mine de rien. Il va falloir faire attention. Il va falloir faire très attention même, je dirais.
Thanks. En espérant que mort ne m'inflige pas mort du premier coup, hein, sinon je sens qu'on va être mal barré. Surtout qu'ils ont bien l'air de me focus lightning. Allez, voilà, ça devrait aller. En espérant qu'il rapporte quand même de l'expérience, je dirais, suffisante, hein, n'est-ce pas? Putain, ils font mal, 1300 quand même. De toute façon, il va falloir que je m'entraîne. Pour l'instant, je suis pas encore suffisamment entraîné pour affronter le boss final. Bon, 4300, c'est pas énorme, mais bon. Est-ce que je peux m'offrir le luxe de les snobber? Je suis pas sûr. Hein. Alors, on va y aller. Parce que je suis pas sûr que je puisse m'offrir le luxe de les snobber. Ah oui, il m'enlève mes stats, il m'a enlevé célérité, les saligots. Allez, allez, mets-nous surtout de l'attaque, hop, s'il te plaît. On en aura bien besoin. Aïe. Allez, allez! Encore une fois, vas-y! Et on y va! Ils craignent plus la... Ouais, ils craignent plus les attaques magiques. Parce que je me demandais pourquoi Fang ne faisait plus d'attaques physiques. J'ai ma réponse. Là, ils sont complètement neutralisés, n'empêche. Ils craignent toutes les altérations d'état, ils peuvent plus rien faire, les pauvres. Mais bon, ceci dit, ça m'arrange. Le combat n'en est que plus facile et plus rapide, surtout. Voilà, il y en a un qui sera un peu plus résistant que les autres, mais c'est pas bien gênant. Voilà. Allez, on avance. Orphan, me voilà. Alors là, il y a trois zones. Oh.
like a gate to Grand Pulse. A last gift from Bartandalus? If we're gonna run away, now's our chance. So, guys, which way are we going? Voilà, donc là, vous avez ce que je vous disais. Vous avez la possibilité de retourner sur Pulse. Donc là, vous avez les canyons par lesquels on était arrivé. Ici, ici, je pense que c'est pour aller... Quoique non, même pas, parce qu'il faut que j'aille là-bas. Ça mène où, ici? Non, ici, je pense que ça va être le bon chemin pour aller vers Orphan, mais il faut activer ce portail. Et là-bas, ça doit être vers les steppes ou vers Oerba, l'un des deux. On va voir. Ça m'a l'air d'être Oerba, là. Oerba ou Cocoon, d'ailleurs. Regardez. Non, je crois que c'est Oerba. C'est la route qui menait à Oerba, il me semble. Voilà. Donc, si vous voulez revenir en arrière, faire les quêtes annexes, tout ça, vous pouvez le faire. De toute façon, en plus, maintenant que vous êtes plus entraîné, y a moyen, quoi. Voilà, ça, c'était la... La petite zone que je voulais vous montrer. Enfin, le petit truc que je voulais vous montrer. Vérifie qu'il n'y ait pas trop de choses qui ont changé ici. Par exemple, vous voyez un chemin sur la gauche là. Alors attendez. On va quand même aller voir là, lui, le bonhomme, ce qu'il veut. Donc toi tu m'offres un passage pour aller par là. Sauf que moi je veux pas aller tout de suite par là, parce que vous avez bien vu comme moi qu'il y a une autre plateforme là-bas. Donc on va aller voir. Alors quand je vous disais que la zone là c'était pour s'entraîner, c'est pas contre ces monstres là hein, qu'on peut s'entraîner. Mais il y en a d'autres normalement un peu plus loin, juste avant la sortie je crois, qui pourront éventuellement nous entraîner pas mal. Ouais ouais, il doit y avoir un chemin, mais là il doit surtout y avoir un coffre quelque part, je pense, par là. D'ailleurs, dans le berceau d'Orphan, on est... Je crois que c'est ici qu'on récupère une arme pour Lightning, il me semble. On va voir. Bon, je pensais l'avoir évité, mais c'est pas grave. Ils sont que deux, ça devrait être rapide. Allez, couchez. Oh. Punaise. Voilà, maintenant tu vas te calmer, je te le dis, moi. Et si tu te calmes pas, tu décolles. Fang. Merci. Alors, il y a un ennemi volant, je l'avais pas vu lui. Et après, il y a la grosse machine au-dessus. Bon, s'il est tout seul, l'ennemi volant, ça devrait aller. Même s'il me touche, c'est pas très grave. Là. Ah bah tiens, loupé. Touché. Alors, toi, je sens que... Non, pas le renouveau. Je sens que la solidité sera pas du luxe, bizarrement. Thanks.
Ouais. Sacrément pas du luxe, hein. Mets-moi de la défense, oh, pour une fois que je te demande de la défense, là. Voilà. Et la défense magique, à la limite, ça, c'est pas très important pour le coup. Voilà, maintenant qu'il peut pas attaquer, on en profite, on le met en choc. Allez, allez! Alors, certains disaient quand même que FF13 était un action RPG, mais pas du tout, hein. Les gens, si vous regardez les codes des action RPG, Kingdom Hearts est un action RPG. Là, ça reste du combat au tour par tour, hein. C'est juste que c'est du combat au tour par tour dynamique. Mais ça reste du combat au tour par tour. C'est pas du tout un action RPG, Final Fantasy XIII. Hein. Faut faire attention à ça, hein. C'est pas parce qu'un combat est dynamique que c'est forcément un action RPG. FF15 est un action RPG. Celui-là n'est pas un action RPG. Voilà, c'était juste la parenthèse parce que ça, en voyant le combat dynamique, ça m'y a fait penser, mais voilà. Bon, je pense qu'on va le tuer avant de le mettre en choc, hein, mais bon. Quoique. Bon, maintenant. Mais on va le tuer quand même. Tiens, tout ça pour 2400, la belle affaire, j'ai envie de dire. Mais bon, il protégeait quand même un coffre. Tout ça pour un analyseur. Non mais franchement, des fois, les contenus des coffres, des fois, sont tellement abusés, quoi. Alors, est-ce que je peux le prendre par surprise, lui? Non, ça m'étonnerait. Et puis, il a pas l'air commode, hein. Bon, mais on va essayer, on va voir, hein. Ouais, et puis il me regarde. Ah, quoique, peut-être. Ah ouais, bon, bah. Tant mieux. Le batteur maigrime. Fang, s'il te plaît, envoie-le en l'air. Merci. La bobo, hein. Il va me falloir un bouclier là, et très vite. Ah ouais, 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 très très vite même. We survive. Ah punaise. Ouais, bon, lui, il va pas être simple. Il va pas être simple du tout. Mais bon, vous voyez, vous vous rendez compte, le truc, hein, si j'arrive pas à le battre lui, je vais pas aller battre le boss final, quoi. Donc, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà améliorer un petit peu le Crystarium. Puis après, peut-être que je vais la mettre en défense. Notre cher ami... Ayo, Fang. Ça c'est bon. Saboteur peut-être. Ouais, saboteur. Ok, et toi, ravageur. Ravageur. Au niveau des stratégies, je voudrais juste voir un truc. Attaquant, défenseur, ravageur. En fait, ce serait bien des fois que j'ai un truc. Peut-être. Attaquant, défenseur, tacticien, peut-être.
Je sais pas, je me tâte là. C'est vrai que renouveau, au final, je l'utilise quasiment jamais. Est-ce que ce serait pas plus judicieux de mettre peut-être healer, défenseur, tacticien? Je sais pas. On va essayer. Parce que c'est vrai que renouveau, au final, je l'utilise jamais. Ouais, mais en même temps, il suffit d'une fois. Alors peut-être qu'on va mettre ça. Au lieu de attaquant, défenseur, on va mettre tacticien. Attaquant, défenseur, tacticien. Ou healer, défenseur, tacticien. Voilà, protection. Healer, défenseur, tacticien. On va mettre ça. Voilà, comme ça, il provoque et elle protège. Allez, hop, dépêche-toi. Mets-moi un bouclier, s'il te plaît, hop. Ouais, bon, la barrière, je suis pas sûr qu'elle serve à grand chose. Allez, on va mettre ça, juste pour éventuellement lui infliger quelques altérations d'état. Vas-y, Fang, s'il te plaît. Bon, défaillance, ça a marché. Fragilité, ça a marché. Allez, faudrait qu'il la mette en stase ou un truc comme ça, lenteur. Peut-être ça va marcher. Non. Bon, allez, hop. On passe à l'attaque. Allez, 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 là, on peut y arriver. Craindre les attaques physiques ou quoi? On sait pas. Effectue des attaques non élémentaires, ça. Ah, ok. Allez, allez, on y est presque. Allez, allez, si on le met en choc, on a gagné. Allez. Non, 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 j'aime pas ce rayon laser. Hop, s'il te plaît. Attaque. Hop, tac, attaque. Voilà, allez, là, on a gagné. Voilà. Avec la bonne tactique, ça marche. Alors, toi, tu protégeais deux coffres, il me semble, hein. Couronne de chérubin et... Ah, ça, ça peut être bien pour, comme catalyseur. Et la couronne de chérubin, elle sert à... À l'altération d'état mort, ouais, bon. Je l'avais pas mis à quelqu'un, le gantelet royal. Résistance physique et magique, ça... Ah, mais c'était pas le truc de Hope, ça. Magie 50, résistance physique et magique de 5%. Ah oui, j'en avais un deuxième, d'accord. Ok. À la limite, magie plus 50, maintenant, est-ce que ça fait vraiment la différence? Je suis pas sûr, donc je me demande si c'est pas plus intéressant de lui mettre autre chose. Bon, je verrai. Je verrai, on verra plus tard. Pour l'instant, on va descendre. Cette zone-là, elle est faite. Allez, la moto, j'aimerais bien la snobber, la snobber, la snobber, la snobber. Voilà. Et voilà. Ok, donc là, on est bon pour cette partie-là. Maintenant, il reste
la partie gauche et la partie là-haut. Alors allons-y. Les CF ici ont les snobs. Donc en toute logique, j'imagine que lui est censé m'amener sur le portail de droite. Et toi, tu es censé m'amener jusque là. On est bien d'accord. Alors, y a-t-il un coffre de ce côté ? Je pense qu'il doit avoir un coffre caché derrière. S'ils m'ont amené jusque là quand même. Non? Ah voilà. Hop. Turbo compresseur. Oui, ça pourrait être utile. Ça pourrait être utile quand je monterai les armes niveau 3. Je ferai ça en off. Je sais pas, peut-être à la fin de cet épisode, peut-être au prochain. Je verrai. Pour l'instant, je me suis pas décidé là-dessus. La moto, si je peux la snober, ça m'arrangerait aussi. Surtout qu'il y a encore le gros pabot là. Hop. Alors là, il y a un coffre. Et là en bas, est-ce qu'il y a quelque chose? 4 conducteurs parfaits, très bien. Là en bas. Et il y a un passage là en bas. Il y a un passage. Cinq tubos propulseurs, bah c'est très bien tout ça. Je pense pas que ce sont des petites pièces d'expérience, donc c'est intéressant. Alors, allez, on remonte. Alors attendez que je vérifie la zone. Potentiellement, est-ce qu'il n'y a pas un coffre là? Là, à droite. Non, il n'y a pas de coffre, tant mieux. Non, non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu, il faut que j'aille m'occuper de lui encore une fois. Alors à la limite, est-ce que je pourrais pas? Mais ben non, j'ai pas de fortifiant ni rien. Bon ben allez. Rebelote, maintenant qu'on a compris la technique. Protection. Et hop, à toi de jouer. Ah oui, ça fait des dégâts de zone quand même ce truc. Voilà. Hop, maintenant avec un peu de chance, tu me le mets en stase ou enfin en quelque chose. Putain, heureusement que j'ai le bouclier, regardez-moi les dégâts qu'il me met quoi. Allez, Funk, s'il te plaît. Voilà, Stas, ça me plaît. Si ça marche, Stas, ça me plaît. Alors, ça marche? Apparemment, oui. Alors, on y va. Pendant qu'il est en Stas, qui peut plus attaquer? Ouais voilà, il est plus en stase. Bon ben ça y est, ça a pas duré longtemps, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça devrait aller parce qu'il est quand même ralenti. Allez. Allez hop, allez, 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 allez. Lève-toi, on le met en choc et c'est bon. Allez, 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 allez. Voilà.
Et tout ça pour ce coffre-là. Alors allons voir. Accélérateur à particules, ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là. Là-haut. Et là, c'est de là que je viens. Ok, très bien. Alors allons voir. Quel est le coffre ici? Uranite. Uraninite, je crois, ou uranite, j'ai pas bien vu, mais bon. Un catalyseur évolutif dans tous les cas. Ok. Eh ben écoutez, on a fini cette zone, me semble-t-il, hein. Ouais. Donc, on revient en arrière, et on va ben, là où il y avait cette espèce de créature. Je sais pas si c'est une machine, si c'est quelque... je sais pas. Une créature, en tout cas. Non, 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 tu m'as pas vu, toi. Tu m'as pas vu, laisse-moi tranquille. J'ai pas envie de faire le combat. Voilà. Tiens, hop, salut. Allez, on y va. Hop. Vingt barbes du roi des mers. Bon, c'est bien. C'est très bien même. Ah, des monstres un peu plus organiques. Enfin, remarquez, les CF sont aussi organiques, mais un peu plus naturels, on va dire. Bon, si t'es tout seul, ça devrait aller, je pense, toi. Allez, va voir ailleurs si j'y suis. Alors là voyons, moi il faut que j'aille en face, mais je peux monter. Et si je peux monter, ça veut potentiellement dire qu'il y a quelque chose là-haut, notamment des coffres. Allez, là je les ai pris par surprise, c'est très bien. On va faire attention quand même, parce que comme il commence à me focus lightning, ce serait con de mourir maintenant, hein. Vous serez je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Non mais j'ai pas envie que tu me fasses guérison, Hope, j'ai envie que tu me soignes là. Hope, Hope, soigne-moi! Voilà. C'était limite quand même, hein. Ok, alors. Voyons voir. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Voyons, un coffre là. Et là-bas, ça monte encore. Ouais, et là, ça descend en plus. Bon, bah écoutez, on va voir, hein. On va voir. Allez, hop, c'est pas grave pour le voile, on s'en fout. Allez.
Allez, allez, voilà, on y va. Et tout ça pour un truc qui vaut pas le coup, je suis sûr. Deux écrans. Bon, allez, j'ai rien dit. Les écrans, c'est quand même utile. Putain, eux, j'aimerais bien les prendre par surprise. Et... bah non. Je pensais qu'ils me tournaient le dos, mais en fait, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Allez, bon, le voile c'est quand même utile hein, parce que ça protège des altérations d'état. Donc ça augmente la probabilité de résister à une altération d'état. On va dire ça comme ça. Allez, encore une fois s'il te plaît, Hope. Voilà, et on y va. Voilà. Et nous arrivons donc. Alors, à un chemin qui. Ah oui, d'accord, ok. Qui va là, avec un coffre ici, et un chemin qui monte avec un coffre en haut, et après, normalement, on est bon. L'arme d'affection, très bien. Bac de l'air, on s'en fiche. Tout ça, ce seront des objets que probablement je vais revendre à un moment donné pour me faire suffisamment d'argent pour acheter des condensateurs et booster l'expérience de mes armes. Sachant que je vous rappelle, parce que moi j'ai tendance à pas le faire, mais on peut également booster l'expérience des accessoires, pas uniquement des armes. Hein. Et... non, y a rien. Hein. Ok. Ok, bon bah alors on avance. Allez, la créature est juste là. Il y a un coffre, et il y a un coffre. Allez, c'est pas grave. Ils sont que deux, ça devrait le faire.
Voilà. Lance de chaman. Non, ça ne m'intéresse pas, puisque la lance de chaman, ça doit être une arme qui augmente la magie. Vous doutez bien que la magie pour Fang, on s'en fout un peu. Ok. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là, devant cette créature bizarre, étrange et ésotérique. Moi, je vais voir éventuellement, entre cet épisode et le suivant, pour augmenter un peu les dégâts de mes armes. Et puis, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, toujours le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Salut tout le monde !